date du mardi 1er août 2017. Nous sommes actuellement chez moi. Moi, c'est M. Traoré Mamadou. C'est ma femme qui est là, Fofana Koko Aïda. Il y a notre père spirituel. Je signale aussi que nous sommes tous les musulmans. Il y a notre père spirituel qui nous a fait l'honneur de nous rendre visite ce soir-là. Bon, nous voulons en profiter pour rendre un témoignage. Vraiment, nous avons vécu une situation très pénible depuis qu'on s'est marié. On s'est marié trois semaines après. Ma femme a fait une découverte dans notre douche à nous. Il y avait des mouches sur le mur. Bon, elle m'a appelé. Elle m'a dit qu'il y a des mouches dans la douche, dans le mur. Sur le mur. Moi, je viens, je vois des mouches qui sont remplies dans la douche. Bon, je n'ai pas considéré. J'ai versé de l'eau sur les mouches. Bon, les mouches sont parties. À partir de là, bon, on a commencé. On nous a réuni. Tous nos problèmes ont commencé. J'ai perdu mon emploi. Ça n'allait plus. Et moi, elle est tombée malade. On était ensemble. Elle a crié que sa tête. Je dis, ah, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, ah, vraiment, sa tête l'a fait mal. Soudain, elle a perdu connaissance. Elle n'arrivait plus à respirer. Ah, mais j'ai cru que c'était une crise d'épilepsie. Bon, c'est ainsi qu'on s'est retrouvé au CHU. On a fait 3 mois au CHU. Les médecins même venaient. De toute façon, sa tension était emboutée. Eux-mêmes, ça les étonnait qu'elle vive. Elle avait une tension vraiment qui n'est pas pour une personne normale. 3 mois après, on l'a libérée. Elle est venue. Mais ça n'allait pas. Et là, on nous a parlé du préfet. Il est à Chivo. Moi-même, je n'étais pas pour. Parce que moi, je suis musulman. Là, ben, je dis, bon, je réfléchis. C'est une maladie. Si il y a quelqu'un qui peut la soigner, on va essayer. Puisque nous, on avait déjà parcouru à peu près. Hein. Il y avait plein de marmites chez nous ici. Les marmites qui étaient chez moi là-même, là, on ne peut pas compter. Chaque jour, on met nouveau. On allait chez le prophète. Avec la grâce de Dieu. On a fait, je crois, 3 mois, elle n'arrivait même pas à marcher. Même pour se lever elle-même, il faut quelqu'un pour la tenir. On a fait 3 mois, elle est guérie. Elle est guérie maintenant, elle est venue. Depuis ce temps, on nous a su. Les gens avaient dit à l'hôpital qu'elle a diabète. Elle a tension. Mais actuellement, là, elle mange tout ce qu'elle veut. Elle ne fait pas d'injection. Elle ne prend plus de comprimés. Sa tension est correcte, elle mange tout ce qu'elle veut, elle n'a plus eu de problème. Franchement, je rends vraiment gloire à Dieu. Je remercie beaucoup le prophète. Vraiment, c'est quelqu'un, on ne sait pas comment on peut. Je peux. On est content aujourd'hui d'expliquer parce que depuis Dieu est passé. Sinon, franchement, il nous a enlevé dans des choses qui étaient vraiment très difficiles. Donc, elle va aussi parler. Moi, c'est Madame Traoré. Moi, j'ai suivi beaucoup, j'ai vécu beaucoup de choses, beaucoup de problèmes de santé, beaucoup de problèmes. Toujours, je suis malade. Chaque fois, je suis malade. Et c'est comme ça, j'ai connu chez le prophète. Quand j'ai connu là-bas, je suis allée là-bas. Quand je suis allée, il ne m'a pas donné de médicaments, il ne m'a pas donné de comprimés. C'est avec la prière. La prière, rien que la prière. Moi, je suis musulmane, mais je suis allée chez lui. Parce que franchement, j'étais désespérée par tout mon passé. Et c'est comme ça, avec la prière, avec l'œuvre de Dieu qu'il a utilisée pour prier pour moi, pendant 3 longs mois, j'ai retrouvé mon physique. J'étais enflée, j'étais paralysée. J'étais là, vraiment, on ne pouvait pas me reconnaître. Donc, c'est comme ça qu'après les 3 mois, je me suis retrouvée intact. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont étonnées de me voir comme ça. Vraiment, je lui dis merci que Dieu l'utilise vraiment. Un homme de Dieu, c'est Dieu qui l'utilise. Voilà. Je n'ai pas rencontré d'autres choses là-bas, si ce n'est pas la prière. Voilà. Moi, je suis une fille de ce gars-là. Elle, c'est quelqu'un qui est pété. Ce n'est pas mon parent. Mais si je témoigne aujourd'hui, là, c'est pour dire à tout le monde que vraiment, Dieu l'utilise.
C'est tout ce que je voulais dire. Je lui dis merci. Ok. Je suis à cette date, le 1er août 2017. Ça fait pratiquement 3 ou 4 jours que je suis ici à Abidjan, la Côte d'Ivoire. Et je suis passé là justement pour rendre visite à mes enfants spirituels. Et que Dieu bénisse, parce qu'une fête histoire de religion, ça ne doit pas nous séparer. Quelqu'un a un problème, il faut prier pour lui. Parce que nous sommes en train de faire au Saint-Péniel, que la gloire et l'honneur du Seigneur traverse ce témoignage. Shalom. Amen.